Salut les curieux, salut les curieuses. Alors le plus dur dans l'histoire, c'est de se décoincer avec la caméra. Hein, c'est pas facile. Là j'en suis à peu près à mon 500e shot du matin. Juste pour vous dire que le format vidéo va changer. Alors moi j'étais à fond au niveau du côté petit docu muet avec musique tchèque ou hongroise derrière, bien délirante et second degré tout le temps. Mais au final, pour faire passer un support qui se veut apporter une expérience, un retour d'expérience, et ben ce format là il n'est pas forcément idéal parce qu'il est assez dur à monter, il demande pas mal de travail. Moi globalement les petites vidéos que vous avez pu voir, que je vous mets en lien en dessous et que vous pouvez aller voir sur les vidéos de la chaîne, chapitre 1 à 7 là, ces vidéos c'est des vidéos qui m'ont demandé à chaque fois une journée de travail pour pouvoir les monter, plus tous les rushs. Donc ça allait bien quand je filmais d'autres personnes que moi en train de bosser. Là ça va devenir un petit peu compliqué. Ça va devenir même carrément chaud chaud. Surtout que les sujets que j'aimerais aborder, il y en a plein. Donc voilà, pour les élèves de l'école Maryse Bastier qui sont extra, et surtout cette classe de SECPA que j'adore, hein, bisous, là, super extra, j'espère que vous allez aimer ces vidéos-là. Pour cette école, pour tous les curieux, curieuses et tout ça, toutes les personnes qui se disent non mais attends, monter une maison tout seul, faut quand même être complètement timbré, bah allez hop, on va regarder les vidéos là et puis on va se donner du courage et puis peut-être des idées. Alors moi je vous le dis sincèrement, je suis autodidacte, je fais rien vraiment dans les clous, j'essaye de faire du mieux possible. Là on est sur l'autoconstruction, voilà, moi je suis parti de zéro, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais à Lyon en train de faire des études d'histoire, et puis voilà, je suis devenu pipier, pour vous dire, dans l'artisanat, donc rien à voir avec la construction, et puis à un moment donné, ben voilà, faut y aller quoi, donc c'est ça où avoir un logement locatif de, je dirais pas le mot, pendant toute sa vie. Donc voilà, pour la petite histoire, ce projet il est issu essentiellement d'une prise de conscience et d'une nécessité. Donc voilà, donc je me coltine tout du départ à la fin, donc c'est super formateur, c'est super intéressant, mais c'est surtout trop dommage de pas en faire profiter les gens. Dans le commerce, dans un contexte commercial, c'est la plus pure expression de la démocratie. Hein, c'est les consommateurs des vidéos qui décident ce qui est mis en avant ou pas. Donc voilà, si vous appréciez les vidéos, ben un petit coup de pouce. Alors les gens ils disent pouce bleu, mais j'ai jamais vu le bleu nulle part, enfin qu'on m'explique, mais bon. Voilà, donc un petit pouce là, comme ça, là. Il y en a deux, faut pas se tromper. Puis après, ben voilà, si vous faites un commentaire, si vous vous abonnez, si vous mettez la petite cloche, ben tout ça, ça me permet de remonter au niveau des stats. Et c'est un peu important. Ben vous emmerdez pas.